Eh bien, salut à tous les amis, c'est Dimonix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo RP SFS. Et dans cette vidéo, eh ben, on va mettre un satellite en orbite à l'aide de la Falcon 9. Donc avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous remercier pour les 100 abonnés. Je sais que ça fait depuis le début du mois de novembre que je les ai atteints. Je tenais à vous remercier quand même, vu que j'ai pas fait de vidéo depuis. Aussi, je vous invite à vous abonner, comme ça on atteint les 125 abonnés. 125 abonnés, ensuite 150, 175 et 200. À 200 abonnés, j'aurai le grade sur un serveur Minecraft d'un youtubeur de 2500 abonnés qui s'appelle Melorio. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. Aussi à liker cette vidéo, comme ça, à 10 likes sur cette vidéo, je refais un épisode de RPSFS. Comme vous l'avez peut-être constaté aussi, j'ai Premium SFS. Donc pour l'instant, j'ai pas la mise à jour de Reentry. Qui fait le feu quand on retombe dans l'atmosphère. Donc voilà, j'essaierai de l'avoir pour la prochaine vidéo, mais je vous promets rien. Et donc on va pas plus tarder, on va commencer avec le RP. Donc là j'ai fait la Falcon 9. Donc alors, le satellite 4 4 panneaux solaires, voilà. Donc si vous voulez la version payante. Vous me MP sur Discord. Donc c'est DiamondXYT, donc DIAMONX-YT, hashtag 7321, voilà. Donc si vous voulez savoir comment l'avoir. Donc on va pas plus tarder. Là tous les moteurs sont bons. Tous les raccords sont bons, voilà. Les pieds, ça c'est cela. Ça c'est cela, c'est bon. Ça c'est pour le booster. Cela il se referme avant le décollage, donc on va les rajouter. Tac. Voilà. Tout est bon, donc on va pouvoir partir. Donc là je pense que je vais faire atterrir le booster aussi. Donc je reste en carburant illimité. Si ça vous dérange, je le désactiverai dans la prochaine vidéo. C'est comme vous voulez. Donc dans la prochaine vidéo, je vous dis pas plus, mais j'ai du lourd. C'est pour aller sur la Lune. Donc celui que je dédicace dans la prochaine vidéo, celui qui aura trouvé qu'est-ce que c'est la fusée pour aller sur la Lune, vu que j'en ai créé une autre. Et voilà. Donc on ferme ça. Voilà, c'est bon. Les tuyaux sont bons, c'est fermé. On allume les moteurs. Tac. Donc les petits, ils n'ont pas de source de carburant. Donc voilà. Alors, hop, on va activer. On part. Voilà. Donc comme vous le constatez, elle est réaliste, je trouve. Bon, je vais vous l'accorder. J'ai suivi un petit tuto pour celle-là parce que la Falcon 9, voilà. Mais la prochaine fusée dans la prochaine vidéo, je vous assure que j'ai tout fait moi-même. Donc voilà. Donc c'est parti. On change la trajectoire, voilà. Tac, 1000 mètres, 90 mètres par seconde. On n'est pas très rapide. Bon, écoutez, voilà. Alors, continue. Tac. Je vous invite aussi à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve dans la description. On vise les 30 membres. Je vous annonce quand je fais des vidéos, quand je fais tout ça. Voilà. Donc. Alors, là, on est actuellement à 5500 pieds. Voilà. Donc, je vous annonce que en fin d'année ou début d'année prochaine, il y aura une vidéo setup. Donc, ça, c'est sûr. Car j'aurai une update. Voilà. Donc, voilà. Alors, nous sommes à 8500 mètres. D'accord. La trajectoire, on va se mettre en orbite à 100 km, je pense, comme ces satellites-là. Je pense, ouais. Hop là. Alors, aussi dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos, si la vidéo s'arrête, parce que je sais pas si vous aimez. Parce que quand j'en fais, c'est surtout pour pas faire de trous, la dernière fois par exemple. Par exemple, j'en ai fait une, c'était pour éviter les trous. Mais finalement, il y a eu un trou de 2 mois, désolé, ça je m'en excuse.
C'est que sur téléphone, c'est pas très dingue, vu que mon PC est pas. Enfin, 4 Go de RAM, donc pour faire des vidéos, c'est pas très facile. Voilà. Alors, on a 17 km. Tac. On va monter à 75. Hop. Donc là, pour l'instant, on est stable. Donc aussi, pendant qu'on est en train de monter, il y a Jupiter aussi. Donc si vous voulez qu'on atterrisse sur un de ces satellites là, Callisto, Ganymède, Io ou Europe, vous me le dites en commentaire exactement comme ça. Et ça sera pour l'épisode 5, si vous voulez. Donc vous me dites aussi si ça vous plaît vraiment les RPSFS. Parce que moi je les fais parce que ça me fait plaisir. Parce que sinon sur d'autres jeux, je sais pas comment. Par exemple Minecraft sur téléphone, bah, j'aime pas trop. C'est horrible. Moi qui joue sur PC, voilà. Alors. Donc aussi, je vous avais déjà parlé de Evonia Craft, et bah il a fermé. Donc, enfin, on a abandonné le projet car Crix a abandonné le bateau. Et donc notre développeur hein, aussi, car. Il voulait. Enfin, s'il n'y avait plus Crix, notre développeur quittait le serveur. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des affaires. Je suis un peu dégoûté parce qu'on a perdu. Enfin, on n'a plus le serveur, mais voilà. Après, c'était un internaute, c'est pas. Mais sinon, vous avez Delphurion. Si vous êtes déjà sur Evonia Craft, vous pouvez rejoindre Delphurion. Je mettrai un message dans annonce sans ping. Sur mon serveur Discord, le lien de Delphurion pour ceux qui veulent rejoindre. C'est un serveur de Crix et un de ses potes, enfin l'ancien développeur. Donc ils le font, c'est un serveur Pixelmon, un peu un truc comme ça. Et qui va ouvrir là, juste après la vidéo, je pense, c'est pas loin. Qui va ouvrir dans quoi? Dans 5-6 jours maximum. Alors. Donc là on est en orbite, on va essayer de se mettre en orbite à quelques centaines de mètres près. Voilà. Tac, 109. 110, 111, ça peut aller. Donc, ah j'ai laissé le booster. Et je suis malin moi. Oh là là. Waouh. Donc j'ai contrôlé ça. Tac. On va reprendre le contrôle de ça. Voilà. Donc on va déjà lâcher le satellite parce que je suis con. Enfin, ouais, désolé du gros mot, mais. Ah, il est incontrôlable. A few moments later. Bon bah re tout le monde, donc là je suis arrivé en orbite, donc je suis revenu, j'ai oublié encore ça. Mais bon, écoutez. Voilà. Donc là cette fois, j'ai pensé à la. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok. J'ai pensé à mettre un contrôle dans le satellite. Donc voilà. Donc là on va. Ah merde, je suis ici. Pardon, désolé pour le gros mot, mais donc fin de mission pour ça et on va supprimer les débris parce que voilà. Donc je suis vraiment désolé d'avoir d'avoir oublié de mettre ça. Donc enfin donc comme vous l'aurez vu dans la dans l'ellipse un peu One Eternity Later, oui. Donc j'ai vraiment pris une éternité, elle est très lente donc c'est ça le problème. Mais après là ça va, c'est pas gênant. Donc hop, là on met les satellites, enfin on met les panneaux solaires, on allume le moteur, oula. Donc là j'ai un moteur ion donc ça déplace très lentement. Et donc là je vais prendre ça et on va repartir sur Terre. Voilà, alors. Faut pas toucher ça.
Donc là, hop, désolé, je parle pas beaucoup, mais je suis concentrée. Donc voilà. Encore une fois, je ne fais que vous le dire, hein, mais abonnez-vous s'il vous plaît. Ça serait au moins. Hein, c'est vraiment mon objectif d'avoir le grade youtubeur sur Melorio. Parce que ça veut dire que déjà, je prends une place un tout petit peu importante dans le YouTube game, même si c'est minuscule. Ça ferait. C'est vraiment. C'est super. Donc voilà. Alors. Là, on est dans l'atmosphère. Oula, on arrive très vite quand même. Bon, on va activer les trucs. Enfin, les pieds, pardon. Après, ça va pour freiner. Oula. Ah non, peut-être pas. Attendez, je vais mettre les pieds 5 à ça, désolé. Mais là, on est mort. Ah, quoique. Ah non, c'est bon. J'ai mis du pied 5 à sable au cas où, hein, parce que sinon ça allait faire un gros goadaboom. Mais ça va. On a assez de. On a assez de puissance pour freiner. Donc, comme vous le voyez, il est très réaliste, moi je trouve, pour moi. Après, j'ai hésité aussi en début de vidéo à faire le test des boosters juste avant le décollage, mais pff, ça fera une vidéo. Oula! Ah! Merde! Bon! Vous avez rien vu! Oh punaise! Le problème, c'est qu'on avait on avait une vitesse qui partait vers la droite, donc c'était difficile. Bon, on va dire que vous avez rien vu, hein. Tranquille, hein. Bref. Oh là là! Pire que je suis vraiment pas doué. Hein. Bon, bah du coup, je pense qu'on a fini cette vidéo. Donc, c'était juste histoire de mettre un satellite en orbite. Donc, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, peut-être. Là, il y a plusieurs satellites qui tournent sur les mêmes orbites, à peu près. Donc, celui-là et celui-là, ils sont très proches quand même. Et il y a des fois, regardez, tac, je vais juste vous montrer. Ils se rapprochent vraiment beaucoup. C'est où? Ils sont presque sur la même orbite, comme vous pouvez le voir. Alors, ouais. Donc là, même tous les satellites, ils sont ensemble. Je sais pas si vous le voyez bien. Bon, là, ils sont tous aux extrémités. Il suffit que je dise ça pour que ça fasse ça, mais voilà. Donc, bon, bref, vous avez compris, je pense. Donc, moi, je vous dis encore une fois, likez cette vidéo. Comme ça, 10 likes sur cette vidéo, je refais une vidéo RPCFS. Donc, on se retrouve. En fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël. Si on se revoit après le jour de l'an, je vous dis bonne année d'avance, passez de bonnes fêtes. Et moi, je vous dis à plus. Donc, c'était Diamonix pour vous servir. Ciao, ciao tout le monde!